vas, je te réveille pas? Non, ça va, je semblais pas. Écoute, j'ai un vrai problème, il faut que tu m'aides. Il y a un mec qui arrête pas de me harceler, je sais plus du tout quoi faire. Je l'ai rencontré à la fête de Jenny, tu sais, ma meilleure amie Jenny, cette grosse pute qui arrête pas de me copier. Enfin bref, je sais pas pourquoi, je lui ai filé mon numéro et de... Oh, tu m'écoutes? Ouais, je suis là. Je te jure, mec, c'est vraiment sérieux, il me fait vraiment flipper. Il faut que tu m'aides à m'en débarrasser. Tu veux le buter? Mais non, je veux pas le buter, je veux juste qu'il me lâche. Ça te dit pas, tu te fais passer pour mon mec la prochaine fois qu'il m'appelle? Hein? Et bah tu lui dis que je suis ta meuf et tu lui demandes gentiment d'arrêter. Ah non, non, moi je peux pas ça. Oh, s'il te plaît, je te demande jamais rien. Non, mais tu sais que je suis nul pour ce genre de truc en plus, enfin... Je suis pas crédible une seule seconde, je suis pas comédien, je suis tout gosse, non. S'il te plaît. Non, vraiment, désolé. Tu sais quoi? Si tu fais ça pour moi, je te taille une pipe. Qu'est-ce que tu veux à ma meuf là? Tu vas la laisser tranquille, sale bâtard de fils de pute! Si tu l'appelles encore une seule fois, je te dégomme ton petit cul de trop dégueulé, d'accord? Alors? C'était comment? Avec ça, il est pas prêt de rappeler. Qu'est-ce qu'il y a, connard? J'ai peut-être pas été assez clair la première fois, c'est ça? Tu veux que je te fasse un dessin? Eh ben vas-y, viens, et prends tes petits stylos 4 couleurs que je te refasse le portrait. Je vais tellement défoncer ta gueule, mon petit gars, que ton vomi aura envie de vomir. Que tes petits cheveux auront envie de s'arracher leurs petits cheveux. Que ta merde aura envie de... Allô? 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 Bah il a raccroché. À quoi tu joues? Rien, pourquoi? Que ta merde aura envie de se chier dessus, mon gars. Bah ouais, bah viens me le dire en face. Ouais, je t'attends, j'habite au 57 rue de Carrière. Le code c'est 6055B. Juste après la pharmacie. Non, ça c'est une boulangerie, après la pharmacie. Voilà, très bien, je t'attends. Je vais te défoncer ta race, petite salope. À toutes, bisous. Mais t'es complètement malade. Il viendra jamais. Pourquoi tu lui as donné notre adresse? T'en fais pas, poupée. Je gère. Poupée? Wendy? C'est pour toi. Sinon, pour ma pipe... This is Hupercat.